Quand elle reviendra, je partirai. J'espère qu'il fera plus beau en septembre. Tu pars comme l'année dernière? Où ça? Non. Je pars avec ma copine Karine, mais je ne sais pas encore où. J'ai rendez-vous avec elle à midi et demi pour décider. Joël, vous avez vu le dossier de Simon? Non. Je sais plus où je l'ai mis. Ça? Non. Je sais pas ce que j'en ai fait. On va le ranger, hein. Oui. Est-ce que je peux mettre la salle à la clé que vous m'avez bouché tout à l'heure? Vous n'avez pas terminé. Comment ça, je n'ai pas terminé? Non, vous ne m'avez pas indiqué la fin. Ben si, c'est ça, veuillez agréer, etc. On aurait dû le ranger? Mais si, je l'ai vu par ici il y a deux jours. Pas ça? Non. Pas ça? Attendez. Non, non. Pas ça. Pas ça. Je vous demande au téléphone dans votre bureau. Vous me cherchez ça, je reviens tout de suite. Joël, vous viendrez voir dans mon bureau, j'ai quelque chose à vous dire. Tiens, on va manger ensemble à midi, hein? Non, je ne déjeune pas. Ah bon? Tu sais, c'est mauvais pour la santé de ne pas manger à midi. Non, de toute façon, je ne mange pas et puis de toute façon, j'ai rendez-vous avec toi. Bon, ben. Oh, Karine! Mais dis donc! Tu m'avais dit que tu m'attendais en bas dans le café. En fait, je te présente Gilbert. Bonjour. Je... Bonjour. Si, j'ai quelque chose à te faire voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas vrai. Comment tu m'aimes, moi? Dis donc, t'as vu? Oh là là, qu'est-ce que t'es photogénique, dis donc. Elle est bien, hein, ma copine? Je voudrais bien vous avoir dans mon service, vous savez. Vous savez taper à la machine? Non, mais je sais taper des gens. Dis, tu viens avec moi, j'ai une course à faire, il faut que j'aille m'acheter un maillot de bain. Tu viens avec moi? Ouais, d'accord. Mais tu reprends à quelle heure? À 2h30. Alors là, je pense que vous n'aurez pas le temps, parce que pour choisir et tout... Ah bah oui, c'est le temps, en plus, ça sera pour elle. J'allais oublier. Quoi? J'ai à l'aide de Caroline, c'est ma Caroline, cousine. Alors c'est d'accord, on part au mois de septembre, si t'es d'accord. Mais hein. Sa mère nous laisse la villa. On est tout seul, alors? Ouais, une grande villa. Surtout que j'ai vachement envie d'y aller, tu penses, la dernière fois que j'y suis allée, j'avais 5 ans. C'est fantastique, tu vas voir, vraiment c'est extraordinaire. Il y a des grandes plages, des trucs merveilleux, mais des vagues et tout. Il y a un type qui s'appelle Mimi, enfin qui s'appelait Mimi, je sais pas s'il est toujours.
jour, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'elle me dit encore? Enfin, c'est tout, donc c'est toujours sûr, si tu veux venir. Mais tu vas voir, c'est vraiment extra, la côte atlantique. Mais alors, justement, on avait peut-être prévu avec les gens de service d'aller au club méditerranéen, en Sicile. Bon, ben c'est d'accord, hein, je pars avec toi. C'est le climat là-bas, il est pas mal, mais peut-être pas très chaud. Hein. Il y a le Gulf Stream et tout. Il passe peut-être loin, d'accord, mais enfin, ça dépend où c'est. Il est drôle. Ça se trouve du côté des Landes ou de Bretagne ou ça, Non, c'est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie? Non, non. Du côté des Sables-d'Olonne? Non, pas tout à fait. Enfin, pas loin. Bon, bah alors c'est d'accord, on part au début septembre. J'ai faim. Oh, dis, mon régime, mais qu'est-ce que t'en fais? Moi, je mange pas avant demain. Hein. Non, mais on va faire des courses près de la maison, il va y avoir une épicerie ouverte. Puis de toute façon, on traverse pas par le pays, on va passer par le raccourci, là, par la ville. Je sais pas s'il y a encore le passeur. Oh là là! Elles sont pas bonnes comme ça. Si, sont bonnes comme non, ça. On peut pas les manger comme non. ça. Non, si, 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 si. Vous les mangez comme ça, tout cru? C'est pas vrai. Faut les faire cuire. Non, mais non, elle est pas méchante. Mais non. Monsieur Paul, vous nous donnez votre casquette. Si vous voulez. Et vos sabots. Il est chaud. Mais oui. Elle va tomber. Ça glisse un peu, mais on arrive tout de suite après le tricotage. Oui, dis donc, on est vachement raide. Joël, t'as vu ce qu'on va avoir à monter avec les valises? Où ça? Là, à la dune. C'est par ici qu'on passe. Allez. Il va marcher devant au lieu de rester comme ça. Oh, écoute, j'en ai marre. Oh, dis donc, ça a vachement changé. Tiens, par exemple, je me rappelle, il y avait plein de villes avant. Oui, mais tout ça, on vient de le construire. Oh, c'est moche. J'aimais mieux avant.
Il y avait un marchand de gaufres aussi. Bah oui, mais il y est toujours, mais un petit peu plus loin, juste sous la villa. Juste sous la villa. Oh, ça va. Ah bon, bah c'est pour moi parce que je meurs. Tu meurs de faim? Ah non, pour moi, pas avant de me mettre. Vous avez pas soif? Encore un tout petit morceau. Crois-moi, t'en as eu une. Je vais voir ma chambre. La lampe à pétrole, je voulais toujours qu'on l'allume le soir. La table d'une nuit, il y avait un pot de chambre avec des fleurs en faïence. Il y en a toujours. C'est bête, j'aurais bien voulu le retrouver. Bon, à propos, qu'est-ce qu'on fait ce soir à dîner? Bah, quelle heure il est? J'ai la flemme d'aller faire les courses, on mangera ce qui reste. Oui, et ça? C'est la salle de bain, hein? Dis donc, il n'y a pas de douche? Ni de baignoire, ni de bidet? Non, la baignoire, tu vois, c'est...
casquette? Non, non, absolument. Écoute, je suis vachement contente. À la mariée. Mon Dieu. Ça te va, ça? Je sais pas, il n'y a pas de numéro. Attends, je l'ai vu. Non, c'est un peu grand. Ça. Toi, Joël? Oh oui, formidable. Moi, j'ai dormi un peu fermé. D'ailleurs, j'étais tellement fatiguée hier à porter toutes ces valises. C'est bête, il n'y a pas d'œufs. J'aurais bien mangé des œufs ce matin. Pas de fermé, c'est où on peut en trouver? Si, des tas dans la campagne. Ah, mais oui, je me souviens, il y en avait une où on allait souvent chercher des œufs, du lait, tout ça. Où elle se trouve déjà? Du côté de Rouette. De quoi? Rouette. Oh, Rouette. Ouais, Rouette. Oh, Rouette. Oh, Rouette. Ouais, oh, Rouette. Oh, Rouette. D'ailleurs, tu sais comment elle s'appelle? La ferme Grouette à Rouette. Ah oui, je me souviens. La ferme de... des Grouettes à Rouette. Pas les Grouettes comme Gruyère, les Grouettes. En tout cas, moi, je vais faire une cure de poisson. C'est bon pour mon régime. Tous les jours, tu dis que tu vas faire un régime et tous les jours, tu bouffes comme ça. Ben aujourd'hui, j'ai décidé. Non, mais de toute manière, depuis le temps que je la connais, elle dit tous les jours qu'elle va faire un régime et tous les jours, elle mange des tartines de pain grillé, du pain avec du beurre, du chocolat. Et tout ça. J'ai acheté à Paris un bouquin formidable. Ah. Tu veux que je te le montre? Je parie que c'est ça, hein. Fais voir ce truc-là. Permis de maigrir. Société polynésienne d'édition à papette. Société polynésienne d'édition à what? Non, à papette. Bobot. Il n'y a pas 36 façons de maigrir, il n'y en a que le régime, mais pas n'importe quel régime. Dans ce bouquin, il y a un système de cases qui est vraiment très bien fait. Regarde. Tu vois, t'as celui-là et celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire, Colin, 120? Colin 120 grammes, c'est une case qui vaut, tu vois, 100 calories. Tu vois, t'as 10 cases, 10 cases, t'as le droit qu'à 10 cases par jour. Et tu perds combien? Et ça fait 1000 calories en tout, tu vois. Alors là, tu vois, tu peux prendre cervelle d'agneau 90 grammes, ça fait 100 calories. Alors tu vois, là, la poulet carrelée, tu vois, 160 grammes, alors, ça te fait 100 calories. Et là, l'andouillette, 33 grammes. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de prendre beaucoup. Et tu perds combien? 2 kilos par semaine. Pas mal. Ouais. Je sais pas si c'est tellement efficace, ce truc. Et puis tu te rends compte, ça te fait pas beaucoup dans une journée. 10 cases? Même 10 cases. Tu te rends compte? Tu ferais mieux de faire un peu d'exercice. D'ailleurs, moi, j'ai bien envie d'aller me baigner. Ah, pas question, il fait trop froid. Moi, je sais pas bien nager. J'ai pas envie de me noyer. Moi, je vous propose une chose, c'est faire des abdominaux tous les matins. Ah non. Non, mais la marche, c'est vachement ça. Il y a des forêts de pins. Tiens, si tu veux, on fait une grande balade demain dans la forêt, tu veux? Ah oui, d'accord. Tu me réveilles alors. Tu viendras? Si vous y allez demain après-midi, d'accord. Mais si vous y allez demain matin, pas question. Oh. Si
c'est pour y aller à 8h, j'ai pas envie de me lever à 6h pour aller faire une balade dans une forêt. Tu sais ce qu'il y a de très bien pour les chevilles? La pêche à la crevette. Ah, what? Pour ça? Mais parce que ça fait marcher dans l'eau, dans les vagues, ça fait un massage. Ça affine les chevilles? Mmh. Alors je vais faire ça. Et tu as défilé? Mais tu as pas vu là-haut dans la chambre? Ah oui, ces grands trucs. Ben moi, je trouve bien courageux. On ira à marée basse. Et alors, qu'est-ce que vous faites si vous attrapez les crevettes? On les mange avec du citron. On les ramène et on les mange. Avec du pain et du beurre. Donc, ça sent les crevettes, ça fait 100 calories pour 100 grammes. Et le pain et le beurre, ça fait combien? Ah ben, je prendrai pas de pain ni de beurre. D'accord, vous allez les chercher, moi je les mange. Ah non, moi j'aime ça. Ça va les filles? Ouais. T'as quelque chose? Oh, rien. Oh la vache avec de l'herbe et toi? Rien! Caroline, Caroline! Que j'écris au mien. Auquel? Bah, Nick. Nick Carter. Tu vois? Oh, on dirait moi avec mes coups de soleil. Tu vois ce que tu marques?
On fait des parties de pêche fantastiques. Ah oui, tu parles trois crevettes. Avec une copine à ma cousine qui nous a mis à son régime. Ah oui, j'en sais quelque chose. Elle nous oblige à faire de l'exercice. Aussi, la forme super. Donc, on s'amuse comme des folles. Oui, tu crois? Enfin, on s'ennuie pas trop. Aussi sale. Oh. Pousse pas si vite, tu vas te prendre les pieds. Le mets pas si haut. C'est pas vrai. Oh, j'en ai pas. Faudra acheter du sucre pour demain, il n'y en a plus. Pas de sucre, de la saccharine. On va dépêcher-vous un peu parce qu'il fait beau et on va même pas pouvoir se remonter. Il y a encore quelque chose? Oui, il y a encore le pain et le beurre. Mais pas de vaisselle? Non. J'ai cherché. Il y a un carré. Tu as quand même pris l'habitude de faire la vaisselle tous les jours, hein? Oui. Ta mère est toujours aussi radin, hein. Je crois que toi qui fais ses yeux. T'as pas vu. Yeah. Qu'est-ce que c'est triste cette lumière. Y a que ça à manger.
combien de calories tu crois qu'il y a dans ce... Tu crois que... Je peux en prendre? Non, tu peux pas en prendre. Parce que une gaufre, c'est fait moins 350 calories. Tant que ça? Ah ouais. Bon, en tout cas, moi j'en prends. Est-ce que vous m'énervez avec votre régime? Une surprise, c'est une surprise. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu acheter du poisson. Non mais là, à Saint-Gilles. Je suis de passage, juste aujourd'hui. Vacances. On va pas rester comme ça. À peu près. Je vous offre une tournée de cidre. Oui, d'accord, on y va. C'est bonne des crêpes. Mais... Ma grand-mère à Saint-Paul-des-Léon, elle a réussi, disons. De quoi? Meilleur que ça. Parce que, à Saint-Paul-de-Léon. Avec de quoi? Saint-Paul-de-Léon. Saint-Paul-de-Léon. Il y a 3 jours encore, j'étais. Quoi? Vous avez mis 3 jours pour venir de Bretagne? Ah c'est à côté. Mais non, mais je suis ici depuis quelques jours déjà. Je suis dans un camping. Assez loin d'ici, d'ailleurs. C'est pour ça que je n'arrivais pas à vous trouver. Tiens, mais c'est parce que vous nous aviez dit sur le port tout à l'heure. Vous nous aviez dit que vous étiez là tout à fait comme ça par hasard. Hein? Ça me faisait un peu? J'ai vu dans la région, il y avait un casino. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ça vous tente pas? Un casino dans la région? J'en ai jamais entendu parler de ça. Ah si, À Saint-Paul-de-Léon? Non. À Saint-Paul-de-Léon? Non, c'est trop loin. Non, Oh, what? Ouais, 500 mètres, hein. Ouais. Pour vous que j'ai assez d'argent sur moi. J'aurais peut-être dû passer à la banque. C'est sûr qu'il tient encore debout, votre casino. Ah, oui. Oh, c'est la merde. Il a tendu. On va flamber. Oh, fruit de mer, c'est pas vrai. Fruit de mer, c'est pas vrai. Oh, le casino, regarde. Alors vous voulez? Quoi?
on pourrait peut-être aller prendre un verre, hein. Non, je veux pas. Allez, viens. Je veux pas aller. Viens. Non, je veux pas aller prendre. Viens, que je te dis, viens, je paierai. Non, je veux pas jouer à la roulette. Mais si. Mais dites-moi, mon cher, vous n'êtes pas très bien fringué pour aller dans un endroit chic. Oh. Sûrement tourner à la tempête. Venez vite. Oh, vas-y, Caroline. Oh, mais si vous m'écoutez, je resterai allongée comme ça toute la journée. Bah, qu'est-ce qui nous en empêche? Rien ni personne, d'ailleurs. Mais alors? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je vais prendre mon petit lit. Qu'est-ce qui vient m'aider? Viens m'aider. Oh. Caroline, viens m'aider. Faisiez une petite bougie. Hein? On lui faisait bouillir? Oh non, à la place d'une bougie, vous allez me chercher une éclair au chocolat. Oh. Plein de crème, tu sais, autour. Et des tartes aux fraises. Puis des énormes choux à la crème. Ah, de la crème. Oh, du gâteau à la frangipane. Tu vois ce que c'est de la crème aux amandes. Oh, c'est toi. D'énormes bouchées au chocolat. Oh. Tu vas y aller. Vas-y. Joël, tu es tout près de la porte? Allez, Joël, regarde là. Je vais y aller. Allez, vas-y. Tout près de la porte. Mais je t'assure que si mon lit avait des roulettes, j'irais. Mais là, je peux pas. Et puis, il fait tellement froid. Vas-y. Coupe du chocolat. Vas-y. Je crois que je vais y aller. Moi aussi. Du chocolat, Joël. Oh. Répète-moi ça. Du chocolat. Du chocolat. Du chocolat. J'y vais. Thank you.
voulais dire, c'est pas si bien que ça. Oh, écoute. C'était bon, Rose. Ouais, quel goût ça a. Je m'en rappelle tout. Bon, alors je ramasse. Hein. Garde tes petites fêtes. Tu es trop laid. Laide. Oui, laide. Oh. Alors vas-y, vas-y. Charles, c'est à toi. Quoi? Allez, c'est à toi la première, parce qu'on va ramasser. Tu neuf? Non, non, mais le deux. Mais... À toi, Caroline. Triche pas, hein? Non, non, je triche pas. Attends. Deux et... Vous voulez me faire manger, là? Non, ça s'arrange pas. Ce temps-là... Là, je démets. Il a dépassé cet âge-là. Vas-y, vas-y. Oh, moi, je te fais le manger. Vas-y. Quoi? J'ai entendu du bruit, moi. Mais non, c'est non. Je te jure, j'ai entendu des coups. Mais non, c'est je te dis que c'est bon. Allez, vas-y. Mais t'entends bien, enfin. Chou. Si, je l'ai pensé. Cette fois-ci, j'en suis sûre, j'ai entendu. T'es... Non. Ah, mais oui. S'il en reste un peu, c'est pas trop de fruits, tu sais. Ben, pas beaucoup. Ben, c'est un petit peu, oui. Tiens, prends une tasse, là. Mais non, mon ami. Excusez-moi. Bon, on va en mettre un petit peu.
fait bon chez vous, hein? Ah, dis donc. Dis donc, t'as l'air un peu froid. C'est que dehors, sous la porte, ça... Tu veux un gâteau? Oui, il y en a des comme ça aussi. Hein? Il y en a des comme ça. Il y a des gâteaux à finir, là. Vous avez entendu la tempête? Ouais. Ça souffle, hein? Oui. Non. Qu'est-ce que vous faites? On joue à la bataille. À la bataille. Tu connais un autre jeu? Parce qu'on en a marre, ça fait une heure qu'on joue à ça. Ben oui. Vous savez jouer au Myst Gris? Ah non. Ben, c'est pas difficile. Il suffit d'avoir 4 cartes, 4-5 par exemple. 5 de carreau, 5 de trèfle, 5 de pique, 5 de cœur. Puis dès qu'on les a, on les abat. Hein? Enfin, c'est le premier qui a ça, qui abat les cartes. Et s'il les abat et si les autres n'ont pas abattu en même temps, enfin assez vite, ben eux, ils ont perdu. Ouais. Bah oui, voilà, tu abats les cartes. Tiens. C'est pas grave. Dites donc, vous campez dans la pinette, oui. Ah non, non, dans un camping. À propos de camping... À propos de camping, la suite. Le camping est très improbable parce que... Avec la tempête, c'est que là-bas, ça a du mal à tenir. Ben oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai un poupa. Vas-y. Je sais pas, je me demande si je peux rester là-bas parce que la tante elle a du mal à tenir. Ben oui, mais tu vas aller. Pourquoi tu les distribues quand tes cartes? Ah, ça, oui, ça doit être battu là. tu coupes? À quoi qu'on joue? Ah oui, à Mustiga. Vous êtes un endroit là où je pourrais planter ma tente? Un endroit? Vous n'auriez pas une chambre? Ah non. Des chambres, juste trois. Ou alors il n'y a pas une petite pièce, n'importe, pas forcément une chambre. Hein, non, mais tu sais, on peut pas toucher chez nous. Hein. Ah oui, on est trois filles ici, maman ne voudrait jamais qu'on emmène un garçon. Ah. On pourrait éventuellement te mettre dans un coin. Tu peux te mettre dans le jardin? Ah oui, il y a le jardin. Ben, ce serait peut-être... Enfin, évidemment, je ne veux pas vous déranger, moi. Non, mais si on peut te dépanner, on ne demande pas mieux. Seulement, nous, on peut que te proposer le jardin, tu vois. Ah oui, c'est vraiment pas possible que tu viennes dans la maison. Il est par où, le jardin? Il est du côté de la mer. Là-bas? Oui, par là. Oui, il est abrité un peu du vent, non? Il y a des murs sur les côtés. Et moi, j'ai des petites sardines, enfin... Des petites sardines? Quoi? Des petites sardines. Des petites sardines. Oui, c'est des machins que tu enfonces dans le sable pour tenir la tente. Ah bon? Oui, c'est un bout de fil de fer. Oui, je sais ce que c'est, mais je savais pas que c'était. Il y en a des spéciales pour. Pour machine à laver. Bon, ben. Je vais chercher mon matériel, il est en bas. Là. Je peux aller le mettre, peut-être. C'est du rapide chez toi? Ah bon, ben non, ben si. Non, on disait ça pour rire. Non, tu peux aller le chercher. Bon ben, j'y vais. Ben oui, vas-y, je compte les vies. Merci. De rien, c'est gratuit. Ce sera 1000 francs par jour. En blague, c'est vrai? Non, c'est très bien que tu les as pas. Quand même pas. Hein. Ah, ça y est maintenant, juste ce que je voulais éviter. Je vais l'avoir tout le temps sur le dos maintenant. Non, on va se marrer. Ça, je suis sûre qu'on va se marrer avec lui alors.
C'est la Charlotte. Qui Charlotte? On a fait ton gros dodo. Tu as bien dormi. Oui, elle m'a là. Non, non, mais faut la remonter. Attends, écoute, après on pourra plus la mettre. Qui est en train de péter? Ah non, 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 non. Pas vrai, écoutez! Mais non, mais regardez! Arrête! Arrête de s'appuyer, toi! C'est une maison! Arrête! C'est bien! Va rentrer, dis! Arrête! Olé! Olé! Non! Allez, arrivez! Un peu! Ah! Olé! Le tour! Arrête! Aïe, ça va craquer. Oh non, écoute, t'as pas le droit, t'en profites là. Écoute, on peut faire, on peut mettre le piquet, oui, un petit peu. Hein? T'as fait un gros dodo? Oui, mais j'ai du mal à me réveiller, tu vois. Ah, écoute, tu serais gentil. Attends, je vais t'aider, bouge pas. Non, c'est bien comme ça. Hein? C'est bien comme ça? C'est bien. Je vais m'installer. Ça va, merci. C'est gentil. Vous le regonflez. Vas-y. Vas-y, là, alors. Je peux pas me lever. Non, mais je vais y aller. Je vais juste me t'aider à monter. Il se dégonfle, ça, maintenant. Gilbert, s'il te plaît, tu veux bien me passer mon café parce que je ne peux pas venir. Tiens. Tu m'allumes ? Oui. Mon café, s'il te plaît. Tu me donnes une cigarette ? Excuse-moi. Mais oui, attends, j'arrive, attends. Excuse-moi. Tu peux à la fois. Tu veux une cigarette ? Oui. Tu l'allumes ? Alors? Bah écoute. Hein? Non. Mais c'est que t'es lourd? Non, enfin, c'est pas que t'es lourd, mais c'est que. C'est plus jeune comme ça. Très... Bien, je sais pas. Vas-y, debout. Non, mais je suis pas un bourrin. Hein. Tu parles fort. Oula! Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, toi. Bah, est-ce qu'elle attend? Hein? Joël, tu portes Caroline et ensuite. À la bagarre. Ah oui, oui. Tu pas la bagarre oui, oui. Si, en tout cas, si tu veux la faire, décide pas vite parce que ça commence un peu. Non, non, mais. Ah tire pas trop, non, non, mais. Oh, c'est pas les reines, hein. Oh. Regarde, glisse. Bon, écoute. Attends. Oula, oula. Qu'est-ce que t'as mangé à midi? Oh, dis donc, mes oreilles. Non, j'arrête, hein. Pousse. Moi, je crois pas que c'était bon, je te gonfle le truc, là. Mais écoute, ta fille, le pincé. Non, mais je te le gonfle. Écoute, sois gentil. C'est pas un vibro, c'est un matelas. Ça me paraît difficile à gonfler comme ça, écoute, tu veux bien être gentil. Regarde. Tiens.
Tiens, le bouchon, tu vois. Ah, tu as l'air fin. Ça se met dans Si vous me faisiez des œufs au lait, si vous me faisiez un flan, vous avez certainement envie d'aller à Orouette. Orouette. Pas au casino, chez le fermier. Vous en voulez un peu? Non, c'est pas la panne. Et pourquoi pas, Adam? Attendez. Un petit peu quand même. Bah, juste. C'est très bon. Pour qu'il est vite dans la caisse, là. Pour goûter. On va vous les vite dans la caisse. Attendez. Hein. Non. Vous allez prendre ce que vous voudrez. Carrie, la prochaine un peu la langue. Approche en face, pas la peine d'avoir peur comme ça. Mais non. Faut pas avoir peur. Bon, allez, vous en voulez un peu? Attendez, un petit peu. Un petit peu. Attendez, hein, je vous pose. C'est très bon. Voilà, comme ça. Vous pouvez tenir pourtant. Ok. T'as que d'une taille. Galop derrière. Oh, quelle horreur, c'est bestial! Tiens, voilà, mademoiselle. Si vous aviez une comme ça dans votre histoire, hein, qu'est-ce que vous feriez? Vous n'irez pas me coucher? Ah bon? Venez, les filles, on s'en va vite! Voilà, comme ça. C'est là. Vous en avez encore une? Encore une, là. Attendez! Non, mais vous êtes complètement dingue, non? Alors, vous êtes bien gentil, monsieur. Alors, allez, tu vas se faire. Comme ça. Oui, ça va. Vite. On n'est pas beaucoup. Encore une autre. Ça nous suffira. Oh. Vite. Ça suffit. Venez, on s'en va vite. Ça suffit, monsieur. Oui. Oui. Oh, non. Ah, vous avez qu'à monter là-haut. C'est bien.
Oui. Mais je peux vous les cahier, votre poisson. Ah oui, non, mais c'est ça, oui, c'est là-haut. Hein? D'accord. Ça me dégoûte. Mais... Qu'est-ce que tu fous? Ben, je vais les écailler. Quoi? Les poissons. Là. Bon, bien voir que ça s'écaille pas. Hé, hey, mais ça s'écaille pas ce truc là. Allez. Mais il est dans la cuisine.
Lyon, il y en a toutes dans ta chambre. J'ai perdu ma lunette! Oh, mes chaussures! Joël! Tu peux me les ramener, s'il te plaît, Joël? J'ai ton pull! J'ai perdu mes lunettes! Tiens, les voilà! Merci! Si on s'écoutait un petit disque. T'as des cigarettes? Ouais. Oh, je suis mort. Où est-ce qu'il a pleuré? Je sais pas. Oh merde, le ballon. Bah écoute, il y a un soleil magnifique aujourd'hui, je vois pas. On va se promener sur le passage du Bois alors, avec ta petite voiture cassée cet après-midi. D'accord, on ira. Tu es bien gentil, mais est-ce que tu as un peu de sentiment pour nous? Bah voyons, je fais que ça, tu vois pas. Regarde cette hypocrite. Ah, sa petite cicatrice. Bah écoute, et son petit bouton. Son tout petit bouton. Mais il a petit bouton, c'est un bouton d'origine. Tu le laisses tranquille, il est... Oui, oui, mais je c'est pas moi. Son petit non, mais... Non, j'écoute... petit Gilbert. Tu fais mal. Oui, mais moi aussi. Une petite bise. Oui, c'est ça. Une petite bise, ça petite bise. Une toute petite, tu te tranquilles après. Une toute petite, tu te tranquilles. Juste une petite.
C'est fait. Ah, mon vaccin. Non, écoute, ma perruque, arrête. Une petite bise, une petite bise. Bon, écoute, Joël, fais quelque chose, défends-moi. Mais écoute, arrête, occupe-toi de nous. Ah, écoute, j'ai fait juste la petite bise et c'est tranquille après. Une petite bise. Non, bon, ne touche pas ça. Ça, c'est à moi, tu laisses tranquille. Pas Smith, Les seuls sur la plage et de toute façon c'est pas un temps pour sortir un bateau. Bon bah je vais dégrayer hein. Il est à vous ce bateau? Ouais, il est à moi. Va petit mousse, le vent te pousse, le scout porte les flots. Ouh. Oh. Là-haut, à quoi ça sert ce truc là? Accrochez les cerfs-volants. Bonjour, Joël, nous on fiche le corne à froid, on monte à la cabine. Peut-être qu'une rêve. Et attendez. Monsieur, alors on a froid, alors on va là-bas à la cabine jaune. Alors vous tout à l'heure. Vous nous rejoignez là-bas alors à la cabine jaune. Tout à l'heure. Froid? Ça se voit pas, non? Aïe! Déjà fait les voiliers? Non. Envie d'en faire? Non. Par quoi? Il fait froid? Non. Alors? Non.
puis d'abord, monsieur, on vous connaît pas. On monte pas dans un voilier avec n'importe qui. Et puis vous pourriez nous emmener dans un petit coin, hein, vieux sadique, sur une île déserte. Puis dans une île, il y a des bois. Alors j'ai plus rien à faire ici. Non. Oh, on rigolait. On plaisantait. Alors vous voulez bien en faire? Oui. Demain? Oui, d'accord. Bon, alors demain, 15h, à côté des stacades. Oui, d'accord. 15h. Oui, 15h précise, hein. D'accord. GMT. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, GMT? Comment? Hein? Je t'aime. C'est ça. Demain, 15h. D'accord. Ok? Oui, d'accord. Au revoir. Au revoir. Merci. Et voici mademoiselle Caroline de la Scala de Nantes dans son répertoire. Peut-être qu'une reine te donnera sa main. Peut-être une baleine t'épousera demain. Va, petit mousse. Va bouleur, vente pousse. La. Oh, ce sera frustré, on sera bien. Va, petit mousse, le vent te pousse. Jusqu'où te portent les flots. Oh, tu sais, on a été invité par un gars à faire du dériveur demain. Ah bah ça tombe bien, dis donc, moi je sais en faire, alors on pourra y aller ensemble. Bah qu'est-ce que tu vas pas, tu vas inviter. Mais nous pourquoi inviter, nous. Et alors? Bah tu fais une demoiselle, non? Bah ça n'empêche rien, ça, dis donc. C'est un beurre. Ah bah ça alors. Salut. Bonjour. Ça va? Bah vous êtes venu en force, c'est bien. On le descend jusqu'au bord. Hein? Lourd? Non, c'est pas lourd, mais enfin faut le porter, faut l'alléger un peu. Hein? Pour vous aider? Oui. On se met là? Je peux te mettre là, chacune à une roue, puis toi là. Ah, parfait. Ça va? On y va? Ouais. Alors, on marche. On va peut-être pas pouvoir en faire tous les quatre parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Ah bon? La mer est très très calme, alors pour les virements de bord, on risque de se gêner si on y va à quatre. Puis ça risquerait d'être un peu lourd, alors vaudrait mieux y aller à trois. Ah, ça fait rien, moi je viens pas. Vous avez qu'à y aller toutes les deux. Ça te dérange pas? J'aime pas qu'on me tutoie le premier jour. Ah bien. Non, et puis j'ai un bouquet à finir, je vais prendre un bain de soleil en restant sur la plage. Et vous, faut pas vous tutoyer non plus? J'apprécie pas du tout. Moi non plus. Et toi, Joël? Bon, ça dépend qui. Mais Lina! C'est la course, hein? Vite, Gilbert, une heure! Oui, mais on voit que c'est pas toi qui retiens, hein? Faut pas se laisser traîner, faut pousser. Dis donc, avec l'élan, on pourra le mettre dans l'eau, non? Ouais. Allez, hop! Attention! Oh! Oh! Mort! Allez. Tous les deux, on le porte, on l'allège, et puis vous tirez. Non, vous sortez la charrette. Deux capitaines. Vers la mer. Attends. La charrette, c'est ça? Oui. Et on le laisse devant le bateau. Hein? Je laisse devant le bateau ou alors... Oui, vous le mettez sur le côté. Sur le côté. Tu te mets en face. Ah oui, d'accord. Bon, allez-y. Attends. On tire. Sur nous, vous on tire. Vous la tirez vers vous, oui. 1, 2, 3. Deux. Oh. Hop. Prêt, toi, hein. Là, on le prend là, maintenant. Ouais. J'y vais. Ouais. Allez-y. Voilà. Laisse ça là pour l'instant, on la remontera après avec le sac à vol. Bon. Oh, je l'ai par ici. Tenez, vous mettez vos gilets. Mais maintiens-le. Tire. Allez, pousse-toi! Appuyez là, oui. Ouh! Moi, je vais là! Allez, vite! Moi, je vais là-bas! Ça, là-bas! Allez!
Attention. Longtemps avec Joël là? J'en fais rien, c'est une heure. Caroline. Qu'est-ce que c'est? Oui, là baisse la tête parce que la bombe va passer vite. Passe la tête de l'autre côté de la bombe. Comme ça? Je suis pas bien! Et allez hop! Allez,
Bien. Non. Vous ferez bien attention avant d'arriver. On va avoir des rouleaux à passer, alors restez bien chacune de votre côté. Gardez bien l'équilibre, hein, et vous faites tout ce que je vous dis.
Qu'est-ce que je tire là? Je tire fort? Non, laisse, c'est Joël. C'est beau, dis donc, le coucher de soleil. Vous me rendez mes gilets? Vous voulez aller faire un café? Oh non, oh, chocolat chaud! Chocolat chaud, oui! Je vais pas faire le bain! Vas-y, vas-y! Dépêche-toi! Ah! Si au lieu de danser sur place, comme ça, on allait dans une boîte que je connais qui est encore ouverte. Hein? Pour faire des chouans. Pour faire des chouans. Ouais, d'accord. Je passe vous prendre? Oui, à quelle heure? 9h30. Bon, d'accord, salut! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Bon, bah d'accord, mamie Jeanne est vachement sympa. Mais tu peux être sûre qu'elle nous prend pas une occasion de le dire à ta mère. Après, je sais pas, tu viens t'étonner que tu te fais engueuler. Surtout avec une mère qui est comme la tienne, qui est à cheval sur les principes. Mais justement, tu vois? Non, mais je lui raconte tout ce qu'on fait comme ça. Je lui parle aussi bien de la promenade à cheval qu'on va faire avec Patrick et Gilbert, puisqu'il a décidé de venir avec nous cette fois. Tu sais pas ce qu'il m'a dit? Non. Non. Il m'a dit qu'il avait un oncle qui tenait un ranch en Camargue. Hop là! Tiens. Merci. Excuse-moi. Tu montres? Allez. Attends, il faut descendre le truc. Tiens, monte par ici, ce sera plus facile. Vas-y. Il faut que je m'éteigne. Tu t'apprends, tu prends les mains là? J'ai pas de reine. Tu prends les mains là? J'ai pas je te les passerai, je te les passerai. Allez hop! C'est et voilà. Hein, qu'on lui prend les reines. Ouais. Hein? Oui, c'est ça. C'est comme ça? Ce je crois ce qu'il nous a indiqué surtout, c'est de. Je vais les prendre bien là. Je crois surtout ce qu'il a indiqué, c'est de. C'est comme ça. Oh, il y a une cochette. Regarde, il est gentil. Il mais non, il s'énerve pas. Passe en dessous. Voilà. Voilà, voilà. Reste tranquille. Relève la tête. Voilà. C'est bon. Voilà. Et voilà. Vous vous aimez? Alors, allons-y. Profitez-en.
Ah, chut, chut. T'as froid? Chut, chut. Non, non. Tiens, t'as soif, tiens. On y va? Allez, allez, allez. Allez. C'est moi, le mec. Passe-moi tes rênes, mon coco. Ah, il faudrait me passer les rênes. Il veut pas te les passer. J'arrive. Voilà. Attends, attends, tu me le décroches alors. Non, mais là. Non, non, mais la ficelle. Ah oui, la le truc. Là. Ah oui, c'est ça. Allez. Ah bon? Oh, oh. Bégonia, hein? Allez, tourne. Allez. Pas maintenant. Allez, attention. Allez, allez. Youhou! Youhou! Il va plus en rester pour personne après. Écoute, je les mange pas, je les ouvre. Et qu'est-ce que tu fais là? Non, mais là, je mange juste le toit, il n'y a presque rien à manger. Là, non, je le laisse. Tiens, le voilà. Bonsoir, Pépé. Encre. Où est-ce qu'on va le mettre? Peut-être à côté de Karine. Bah oui, tiens, passe ici.
Vous n'avez pas trop de courbatures? Non, mais notre ami Gilbert a quelques ennuis sur ses fesses. Ah bon? Non, faut pas exagérer. Enfin, demain, j'irai pas faire du cheval, je resterai à la maison. Tu plaisantes demain? T'en as au moins pour 15 jours. Non, non, avec l'eau de mer, ça cicatrisera. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais te mettre des escalopes comme les danseuses. C'est ça, demain matin, j'irai en chercher au marché. Mais dites-moi, vous avez acheté que des huîtres? Non, il y a autre chose après. Oh, vous savez bien que j'aime pas les huîtres. Mais écoute, on a fait ça parce que... Parce que ce soir, c'est un jour de fête. Bon, écoute, hein, si c'est si long, on va les ouvrir nous-mêmes, les huîtres. Tiens, je te sers, Patrick. Et du calme avec un truc de blanc, hein. Parce que t'es déjà bien rouge. Comment connaissez ça, on les honore. C'est toi qui as mis la table. Oui, mais si tu avais ouvert les huîtres plus vite, t'en aurais eu un plus grand. Max, tu peux pas en avoir un plus grand tout de suite. Non, allez, va à ta place. Bon, alors, on boira plus souvent. D'ailleurs, il y en a assez pour en avoir plus. Dis dans les yeux, ils se croisent. Elle est pas mauvaise, ce petit-là. Tu vois comme du petit lait, hein? Non, ouais. Hey! Tu t'es fait mal? Non, mais... Si, écoute, arrête un peu. Non, je vais te montrer comment on va faire, tu vas voir. Non, je vais y arriver toute seule. Mais si, regarde. T'as deux trucs dans l'huître. T'as au-dessus et la grosse partie en-dessous. Ce qu'il faut, c'est chercher une faille pour permettre à... créer une poche d'air dans l'huître, parce que tant qu'il n'y a pas de poche d'air, hein, l'huître se défend et elle fait adhérence. Mais dès qu'on a fait une poche d'air, elle ne peut plus se défendre. Bah, regarde, je cherche là. Et alors je remue latéralement pour gratter en dessous et ne pas laisser la moindre... Et on voit tout de suite des bulles d'air qui apparaissent, tu vois. Hop, et alors là, on remue le couteau comme ça. Non, c'est pas tant. Non, il n'y a pas de danger, de toute manière. On va aller chez le sauvetage. Mais ça risque pas de se retourner. Non. Quand on n'a pas payé, l'huître n'est pas ferme dans tout ça. Bon, bah d'accord. Hein? Oui. Je passe se prendre 2 heures demain. Oui. Ok. Et après on gratte tout le long, hein, pour éviter qu'il reste un truc attaché au-dessus. Et à la main, on termine, voilà, sans difficulté. Ça va être pas mal, hein. Allez, un petit peu d'écaille, on va pas dire. La prochaine, elle sera mieux. Il faut garder l'huître horizontale, parce que comme ça, on n'en fout pas partout. Donc c'est vrai, parce que le jus, sinon, on le perd. C'est meilleur. Oui. T'as pas faim? Si, si. Tu manges pas? Si, si. Tu veux que je t'en ouvre une autre? Non! J'aimerais bien faire du cheval demain. Je sais pas du tout ce qu'on va dire. Mais tu le ressens peut-être pas aujourd'hui, mais tu vas voir demain. C'est pas tellement le soir qu'on les ressent, c'est dans le matin, surtout. Bah, tout le monde en a, mais j'en ai pas. Moi, je crois que Patrick a raison, c'est demain le cheval, ça me paraît un peu risqué. Surtout toi, quitte-moi qu'un morceau de fête. Non, non, moi, de toute façon, demain, je fais du voilier. Karine s'est bien débrouillée aujourd'hui, le cheval. C'est normal, t'es légère. Ça se passe tout seul. Peut-être aller à la pêche tous les trois pendant qu'ils vont au bateau. Je connais quelqu'un qui nous emmènerait sur son bateau pour aller... À la pêche avec un bateau? Bah tiens, avec quoi veux-tu... Et on irait... Non, non, mais toute la journée. Ah, mais c'est pas bien, là. C'est vraiment bien, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Joël? Oui, peut-être, on verra. Ah, intéressant, ça, tu sais. Je serai avec lui pendant tout le temps, là. Sur le bateau, puis on le verrait pêcher, et puis on pourrait même pêcher peut-être nous aussi. Et puis t'arrêtes de boire, hein, parce que ça va vraiment mal. Oh, le beau bateau! Salut! Salut!
Simone? Oui, pas que tu m'aimes. Bah non, vaudrait mieux pas, non? Pas que tu m'aimes. Un petit coup de main? Oui, j'arrive. Tu prends l'arrière. Tu me de la part? Oui. Mais arrêtez, mon sou, c'est pas comme ça qu'on les retire. Et l'eau qui arrive. Dis donc, il va pas se retourner comme ça dans la mer, hein, parce que moi je suis pas nager. C'est pas vrai. Jamais. On prend pas nos filins, dis donc. Alors, regarde. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle a la trouille. On dirait qu'elles viennent jusqu'ici. Ah, t'es trop bas alors, non? Non. Chez nous, hein? Tu vas voir, il est content. On va te préparer une bonne petite recette, tu m'en diras des nouvelles, hein? Enfin, si tu peux. Bon. Lève-toi les mains, hein? Qu'est-ce que je fais en ce moment, alors? Bon! Eh ben, bon petit coup de vin après ça, ça ferait du bien. Ah oui. Dis donc, le gros, c'est pour qui? Deline, hein? Ça m'étonne pas. T'as vu les cheveux? Oh, dis-moi, il faut que je fasse un shampoing, j'ai une flemme. Tu as besoin de quelques toilettes? Bah, un petit rosé, ça fait... Je vais après, je reviens. Ah, du rosé, non. Bah, on va voir ça, hein. Il y a autre chose. Bon. Après la bonne partie de pêche qu'on a fait,
Je sais que je vais vous préparer ce soir un de ces petits repas comme vous en avez pas souvent eu. Pas venir. Non, mais vous allez voir, le poisson là, je vais faire une de ces recettes de ma grand-mère. Celle de Saint-Paul de Léron ? Ah non, c'est dans Goulême. C'est bien meilleur. Tu te sers, hein ? Ah oui. Toi aussi ? Non, moi j'en prends pas. Ah. Bon, on parle pas de bureau, écoute, on est en vacances. On a passé une bonne journée là. Hein, sur le bateau de pêche, c'était drôlement bien. Ouais. Et j'ai pris un bon poisson, non? Alors, on va bien manger ce soir. Tu vas voir. On parle pas de bureau, écoute, voyons. Je vais aller faire la recette, hein. Je viendrai vous chercher. D'accord. En attendant, je vais me laver la tête. Je vous appellerai dans une demi-heure. D'accord. Ah. Allez, viens, mon mignon. Allez, hop. T'entends? Ah, tu vois? Tu t'es maintenant, hein. C'est pas fier, hein. J'aurais qu'il voudrait dire quelque chose que tu arriveras pas. Oliver. Avec deux feux seulement. Possible, un machin pareil. On peut pas aller plus vite que la musique. Préparons-nous, c'est bientôt prêt, hein.
Merde, c'est trop cuit. J'ai besoin de moi, ma recette. Hein. On n'attend pas Karine? Si elle est pas rentrée cette heure-ci, elle viendra pas dîner. Bon, bah alors avant que ça refroidisse, hein, je crois qu'il vaut mieux y aller. On n'a pas pris de sauce. Tiens, regarde. Et goûte, Caroline. Vas-y. Hein? Elle c'est est bonne. Chaud. Ah bah oui, mais c'est meilleur comme ça, dis donc. Tiens. Je te sers, Joël. Oui. Je vais en prendre aussi, hein. J'allume la bougie, dis donc. Ça fera plus intime. C'est pas la peine, on va aller bientôt se coucher. Oh si, ça sera plus chouette. C'est pas la peine, il est trop tard. On va aller se coucher. Bah ça y est, c'est déjà fait. Hein, déjà fait, c'est bougie. Bravo. Évidemment, c'était un petit peu long parce qu'il y avait pas mal de choses à préparer. C'est le poisson, c'est un grand poisson. Il fallait couper en tranches et tout, puis il y avait la sauce à faire. Mais c'est une belle prise, hein? Non? C'est pas dit de pêche, ça va crever. Ça. Toute l'après-midi sur le bateau. Hein. Oui.
On y retournera, hein. Mais plus tard. Tu manges pas Si, je vais continuer, mais je me repose un peu. Ah bon? Toi, tu manges pas non plus? C'est pas bon? Si, c'est très bon. Ah bon? Puis la sauce, hein? Réussi. T'as pas faim ce soir? Si. Caroline, tu dors? Non. Ça va refroidir, tu sais. Tout à fait fini. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du poisson. Exactement, c'est du congre. Ce que j'ai pris cet après-midi sur le bateau. Ah bon? Oui. C'est un grand poisson, alors justement, c'était un petit peu lent à préparer. Oui, vous en faites une tête. Non, c'est pas ça, on a commencé très tard et finalement. D'ailleurs, on t'a gardé ta part, si tu veux un bout, on peut t'en. Ah non, merci, j'ai pas faim. C'est par contre, je voudrais bien quelque chose. Déjà? Mais il est parti. Ça, c'est merde. Bonsoir. Salut. Ça va? Ça va bien. Bon, à demain. Alors, vous avez été pêché cet après-midi? Oui, tout l'après-midi. C'est très agréable. Je trouve que vraiment vous faites une drôle de tête. On a laissé toute la lumière. Bon, eh ben je vous laisse ça. Bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir.
Et je crois que je vais aller manger une crêpe à la crêperie. En fait, à propos, est-ce que ça te gênerait pas de nettoyer toute cette cochonnerie? Moi, tu sais, j'ai déjà tout débarrassé hier, alors juste moi, j'allais te le proposer. Hein. Bon, au revoir. Au revoir. Au revoir. On s'est bien amusés tous ensemble. Écoute, dis-le moi, moi. Tu peux me le dire à moi. Pas moi. Je suis pas venu ici pour faire l'imbécile. Vous avez tout le monde. Joël, je la connais depuis assez longtemps. Je l'aime bien. J'y tiens. Pendant ces quelques jours, j'espérais que ça se passerait autrement. Il y a Patrick. Quoi, Patrick? Ça se voit, non? Il m'intéresse. Ah bon? Je m'en suis pas rendu compte. Je crois que je vais partir. Mais t'es fou. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Tu es complètement fou. Reste avec nous. J'ai plus rien à faire ici. Si, je vais partir. Écoute. J'en ai marre, tu comprends? J'en ai marre de tout. Mais pourquoi t'en as marre? Tu sais bien qu'on t'aime bien. Tu sais bien qu'on s'amuse bien avec toi. Mais il y a longtemps qu'il est parti? Oui, il est parti à peu près vers 6 heures. Et sa voiture a été réparée, alors il est parti voir sa grand-mère à Angoulême. Tiens, d'ailleurs, il t'a laissé une lettre. Tu sais, il était dans un drôle d'état, vous l'auriez vu. Il faisait de la peine. Excusez-moi de partir de cette façon. Je pense sincèrement que ma place n'est plus ici. En vous remerciant de votre hospitalité, en espérant que vous n'aurez pas, toutes les trois, un trop mauvais souvenir de quelqu'un qui est sans doute trop gentil avec les autres. Grosse bise à Karine, Caroline et Joël, Gilbert. Eh bien, bon débarras. Le pauvre, moi je l'aimais bien. Oui, enfin, quoi de gentil quand même. Aussi, dis donc, c'est pas avec vous qu'il voulait se marier. Moi, pendant toute une année, je l'ai sur le dos, toujours aux petits soins. Non. Il est bien gentil.
Mais qu'est-ce que t'as, Caroline? Tu pleures? Mais t'es folle, écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Je sais pas comment te dire, il était gentil. Bah oui, mais enfin, c'est pas une raison de pleurer. C'était les vacances, un peu. Puis on a été vaches avec lui. Oh. Qu'est-ce qu'il a mangé ce soir? Déjà, tu viens à peine de te lever. Dis donc, ça fait déjà 4 heures que je suis debout. Ah, déjà 4 heures. Mais à propos, Patrick est pas venu te voir aujourd'hui? Non, non. Demain alors? Là, on est sur la plage alors. Bon, allez, je vais me coucher. Bonne nuit. Il pourrait passer ici, j'irai même pas avec lui. Et puis j'ai décidé de rentrer à Paris, je perds du travail.
dit comment j'ai coiffé, regarde la petite bien. Tu veux de jeter? Oui, vas-y. Ah, tout ça, tu me fais mal. Non. Ouais, puis de toute manière, je m'en fous. Tout est dans la soirée, t'attends, tu m'en fous. Très génie. Bon bah entre. Je suis pas mal là. Bon, bah reste. Hier non plus t'étais pas mal. Pourquoi? Non, comme ça. J'ai l'impression qu'il se sent un peu gêné. Attends un peu, on va se marrer. Il fait beau, hein? Très. Les oiseaux volent bas. Signe d'orage. Quoi? C'est signe d'orage. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comme hier. Pourquoi on? Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire t'attendre toute la journée sur la plage. Tu vois? Tu fais une message? Non, pas très bien. Pourquoi? Vous avez attendu sur la plage? Non. Non, mais il y avait un garçon qui fait du voilier, qui nous avait dit qu'il venait nous rejoindre. Alors on a cru que c'était toi. D'ailleurs, il te ressemble étrangement. Mais je vous ai jamais dit de m'attendre sur la plage. Non, mais j'ai dû rêver, j'ai dû prendre mes rêves pour des réalités. Bon, j'ai envie de faire du voilier. Il fait beau aujourd'hui. Ça risque d'être marrant. On pourra sentir le spi. Qu'est-ce que c'est que le spi? Je te montrerai. Bon, super. Bon, super. Non, mais vaut mieux y aller à deux parce que si on dessale. Pourquoi? Qu'est-ce que j'entends dessaler? Moi, je ne vais plus hein, si on dessale. J'ai dit qu'on risquait de dessaler, j'ai pas dit qu'on allait dessaler. Bon, allez, on y va. Prends un pull. Allez, en voiture. En bateau. Salut. Ciao. Elle est vraiment dingue, hein, Karine. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut. Hein. Ils vont dessaler en cœur. Hein? Ils vont dessaler en cœur. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Dis, qu'est-ce qu'on fait? Stéphane, tu veux qu'on aille à la plage? Oh non, j'ai pas tellement envie. Qu'est-ce que tu as envie de faire, alors? J'ai envie de faire une balade. Une très longue balade en forêt. Vide, hein, maintenant.
qui écris-tu si longuement? À mes parents. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir Didi? Oh ben on va boire un café, comme ça, ça nous évitera de faire un petit déjeuner. Bon, d'accord. Bonjour Didi, qu'est-ce que tu fais? Je ferme. Tu pars? Ah non, oui. J'ai reçu une lettre de ma mère où je me suis fait drôlement engueuler. Oh, laisse-la dire, ta mère, écoute, tu vas pas partir maintenant. Tiens, et puis en plus, j'ai plus d'argent. Puis à propos, avec votre ardoise. Bah écoute, je viendrai te voir à la pâtisserie à Nantes et puis tu rendras la note. Mais j'ai plus d'argent, moi, comment je vais faire? Dis, t'en as pas un petit peu de côté, non? Oh. Ah. Voilà. Ah, je vais fermer le compteur. L'eau c'est fait, l'électricité je viens de le faire, le gaz, bon la cuisine tout est propre. J'espère que maman sera contente. Souvenir de son passage inoubliable. Finalement, tu disais qu'il était ennuyeux, mais en tout cas, s'il n'avait pas été là, on aurait eu des vacances complètement ratées. Oui, peut-être. Thank you.
Voilà. Oui. Non. Non, mais ça parlé, quoi. Oui, non, pas tout ça, on n'est pas des loups. Oui. Les deux c'est rouge, comme vous avez fini, la porte au bureau. Mais enfin non, mais écoute madame, je suis désolée, au revoir madame. Bon alors, maintenant c'est que j'en ai mensuel du client qui n'a pas payé. Et tu as une voix en anglais qui te pose des questions. Tu dois donc y répondre, tu as un silence pour y répondre, ou bien c'est le contraire, c'est-à-dire qu'elle te donne la réponse et tu poses la question, et puis tu as la possibilité de te réécouter après, c'est-à-dire de corriger. C'est intéressant. Mais j'ai tellement envie d'aller en Angleterre, et puis aussi j'ai tellement envie de changer d'air. Vous vous plaisez dans votre nouvel emploi ? Pas du tout. Bon ? Vous êtes tout bronzé encore. Je suis revenue il n'y a pas longtemps. Moi, ça fait 15 jours que je suis dans. J'étais noire. J'étais en Sicile. En Sicile ? C'est faux. Et vous ? J'étais en Vendée. C'est bien ? Oui, sachez le coin de vie. Je ne connais pas. Dans une villa, j'ai des amis au bord de la mer. Vous avez une belle chambre à aller au bord de la mer. Oui, oui, enfin, oui, vous voyez la mer, oui. C'était quoi vos amis? C'était trois jeunes filles. Il y en a une à qui appartenait la villa. Mais vous étiez tout seul avec trois jeunes filles? Oui, oui. Oui, oui, enfin. On s'amusait, quoi. Vous prenez quelque chose? J'ai pas faim. Je prends un melon glacé et du thon provençal. Et vous? Ah non, non, moi, pas de poisson. Moi. Melon et steak grillé. Encore trois quarts d'heure, ça va? J'ai encore 11 mois enfermée. Ça passera vite. Vivement l'été. Oui. Enfin, on n'y est pas encore. Vous retournez en Vendée l'été prochain? Non, non. J'irai peut-être en Italie. La Sicile. C'est beau. Je retournerai bien aussi. On me tente beaucoup. Et toi? Wow. On n'allait nulle part et partout. Pas à l'aventure. Ouais. Et toi? Maintenant, pas seul, avec des amis. Oh, c'est formidable. C'est horrible, on dort dans la voiture. On sait même pas trop la fin. On mange pas. Moi, j'adore ça. Enfin, je sais pas, pour se partir quand même en bohème, faut avoir une certaine sécurité, puis c'est pas donné à tout le monde. On peut pas partir complètement sans argent ni sans rien, quoi. C'est marrant, on est obligé de se débrouiller tout seul, donc je trouve ça plus drôle, non? Pourquoi pas? Pour l'employer dans des fermes, par exemple, je sais pas. Non, j'ai pas pensé à ça, tiens. Oui, non, non, nous, non, pas du tout.